Je sais absolument ce qui s'est passé. This one is for the boys with the booming system. Top town AC with the coolness system. When he come up in the club, he be blazing up. Got that. Pour la chambre de Dracula. Ah non, partez pas. Je connais une personne, Fanny, elle va nous dire ce qui s'est passé. Elle était là le jour où ça s'est passé. Quoi? C'est strictement impossible. Mais non, c'est impossible. Mais je vous dis que oui, moi. Allez, les filles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On y va, on va la voir. Allez, avant qu'elle parte, dépêchez-vous. Si ça te fait un plaisir, je dirais qu'ok. Ouais, pourquoi pas. J'en ai marre, les filles. Je peux plus bouger. Oh non, tu vas pas faire ta truc, toi. Si. Mais tant pis, alors j'ai porté sur mon dos. Tiens, voir, ça va aller vite. Non, mais non, c'est bon. Ah, Claudine, arrête. C'est bon, je peux marcher. Mais tu vois quand tu veux. Allez, les filles, venez. Ah, mais elle est folle, elle. C'est pas un loup-garou pour rien. Ah, ça, c'est sûr. Elle est même trop folle, à vrai dire. Ouais. Allez, venez, c'est tout droit. Mais casse toujours. Là voilà, comment je vais pouvoir dire ça, dis donc. Je sais absolument pas. Nous voici, on est là. Allez, je suis impatiente que tu me le dis. Ah oui, je vois ça. Ta détermination est extrême. Ouais, moi aussi elle est extrême. Ah oui, et toi, elle est très extrême. Gouga avait un meilleur plan. Oh, je peux m'asseoir là. Mais non, dégage. Oh, c'est bon, je suis pas un canapé. Pour toi, Goulia. C'est bon, c'est moi qui réfléchis le plus ici. J'ai besoin d'une petite récompense. C'est moi la plus petite. Oui, toi, Francky, ça va. Je t'adore. Bref, soyez précise, il faut vraiment que je vous dise cette chose. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, on est patiente. Oui. Très bien, tout a commencé quand? Tout a commencé quand... Qui apparaît? L'heure est venue pour me venger. Tu dors tranquillement, ça va. Mais quand tu te réveilleras, tu seras très surprise. Me venger de toutes celles qui m'ont fait ça. Tu deviendras un monstre. Ça t'apprendra. À la suivante. Je t'en prie qu'elle. Vous ne l'aviez jamais vue. Jamais vue? C'est sûr, jamais là, jamais vue. Non, jamais vu. Je vous l'ai dit, jamais. Mais comment ça se fait qu'elle nous connaît alors? En fait, cette jeune fille s'appelle... Elle s'appelle Rochelle Doyle. Elle est pas méchante, hein? Elle a juste quelques petits problèmes de son enfance, c'est tout. Quelque chose à reprocher contre les Monster High. Je comprends pas, cette personne c'est une Monster High ou c'est une brave? C'est une Monster High. Mais pourquoi elle en voudrait aux Monster High alors? J'avoue, c'est pas logique. Parce que... Attendez, laissez-moi expliquer quand même. Cette Monster High a vécu en fait une enfance très difficile. Mais c'est ça, tu l'as déjà dit. Oui, mais c'est bon. Je voudrais te répéter quand même, merci. C'est moi qui raconte l'histoire. Dans son enfance, quand elle était petite... Ses parents ont été transformés en Monster High également. On ne sait ni quand, ni la cause, ni le pourquoi, du comment, etc. Depuis ce jour, elle dormait toute seule. Elle avait peur, froid. Et un jour, elle a vu une Monster High qui lui a dit « Maintenant, je te transforme en Monster High le long de ta vie !» Des trucs comme ça. Enfin bref. Et cette petite Rochelle a été touchée par le sort. Elle a essayé d'échapper et tout. Mais bon, elle a pas réussi. Ensuite? Ben ensuite, Rochelle s'est décidée de se venger de tout le monde, de toutes les Monster High qu'elle croisait. Et c'est pour ça que voilà, elle est comme ça maintenant. Elle veut se venger sur toutes les Bratz. Pour qu'elle soit en Monster High.
et qu'après elle les extermine. Mais elle leur en fait quoi les braques? Je comprends rien ton histoire. J'avoue, t'expliques trop mal. C'est pas logique. Elle a été transformée et ses parents aussi quand elle était petite en Monster Rail. Pourquoi elle en voudrait à son modèle d'origine, ce qui est des braques? Parce qu'elle savait que les Monster Rail faisaient du mal aux braques. Je vois pas le rapport, moi. Bien, tout simplement, parce que... Comment tu veux que j'explique ça, moi? Mais comment tu connais cette histoire? Bah, tu sais, je suis une très bonne amie à elle. Sérieux? Ouais. Sérieux? C'est toi, en fait, qui lui a dit de nous transformer, hein, juste comme ça. Ah ouais, maintenant je comprends, hein. Mais non, mais un jour, elle vous a vu dans le collège, et elle a décidé de vous attaquer tout ensemble, cette nuit, c'est tout. Je n'ai rien dit, moi. Au contraire, je lui ai dit d'arrêter, mais elle voulait pas. Cela paraît étrange quand même. Ton histoire est assez bizarre.